Oui, tu... Alors, passiflora quadricularis, enfin quelque chose comme ça, avec des fruits qui sont pas encore mûrs, mais qui sont impressionnants. C'est la première année où j'ai des... Alors, passiflora incarnata. C'était une boule blanche. Ah, t'as pas encore de fleurs sur incarnata? Non. Il y a un bouton. Les boutons n'ont pas encore de fleurs. Ouais. Âge, depuis une semaine. Miyagawa. Ouais, super. 2022. Ouais. Ah, c'est ça. Qui était plein de fourmis et je les avais foutus à côté des fleurs. Je les avais mis. Fata confetto. À côté des autres fleurs. Et je pense que c'est les fourmis qui étaient dans la spécialisée. Moi, pour les polliniser, ce que je fais, c'est que genre, je prends juste cette partie-là. Là. Incarnata ne fait pas de. Elle fait des fleurs, mais pas de fruits. Ok. Et fait, ça n'avait pas fonctionné. Voici le pollinisateur. Donc, moi, je me suis dit, je vais laisser les fourmis. Et le. L'incarnata, tu peux la laisser dehors en plus. Je l'ai reçu en mars. Donc le sapoté blanco, planté en mars. Voilà. Oh, bah, je reconnais des petits trucs. Ouais, puis il n'est pas très cher. Hein, et je travaille vers là-bas. Des mangues. Avec le boulot, je suis amené à bosser vers Toulouse et tout. Donc, des peach tamario. Pour que je regarde où il est. Une belle collection. Papayer de montagne. Pubescence. À la limite, je m'arrêterai. Un goyavier. Deux goyaviers, non? Ah, c'est ce que t'as... Et celui que j'ai récupéré hier, tu vois, celui que j'avais acheté hier. Un lucuma. Pépin perdu, ouais. Il a pas, beau, elle n'a pas encore germé, la graine. Ah, ça va faire deux semaines qu'elle est dans son papier, elle n'a pas bougé. Chez moi alors, finalement, là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est complètement sec. Je les ai fait tremper dans l'eau toute la nuit, et là, je les ai sortis tout à l'heure. Il y a les fourmis qui viennent. La plante fromage, avec une odeur caractéristique, et une saveur de camembert bien coulant. Et derrière, tu as tout le reste qui vient et qui bouffe l'intérieur. Et la plante de l'immortalité. Les clitres. Oui, c'est les clitres des soins. C'est ce qui a, ce qui bouge les feuilles. Ça, hein. Charançon. Ah, c'est pas un charançon. C'est pas un charançon. Il a le nez pointu. C'est un... Non, ça, ouais, c'est le clitre des soins. Et qui généralement est un peu. Ah, d'accord. Mais c'est une autre variété. Amélanchyrus. C'est la première année que j'ai vu. Aronia. Pomelo Bloom je Sweet protéger, moi, pas et bananier d'Adjao. Moi j'ai eu moins 6, moins 7. Saint-Amario ça. Ah non, c'est un physalis. Physalis, c'est ouais. Il y a un fruit derrière. Ça, c'est la menthe verveine d'Argentine qui sent Hollywood. D'accord. Et cet agrume, c'est quoi déjà? C'est un orange sanguinello. D'accord, orangé sanguinello. Verveine d'Argentine. Voilà, c'est la du coup, donc Akebia chocolat avec des fruits en formation et chocolat et blanche. Tu nous diras ce que ça vaut en fruits quoi. Ouais, il paraît que c'est pas terrible. Mais la peau est bonne aussi. Et rémorange. Bon, hein. Et puis pour le coup c'est moins 11 ou moins 12, non? Et puis un kaki. Plus que ça même. Un Virginiana Maider. Maider. Alors, donc ça c'est un petit semis de sapoti de Malaisie. Ça, c'est un avocat long neck. Ça, c'est une orange ultra douce sucrena. Ça, c'est une orange Washington. Ce qui est un peu impressionnant, c'est de la manger en ce moment. Ça, c'est un durian. Alors, je sais pas un mantong, mais c'est un durian de petite taille, 1 kg environ. On a une carambole. Un fruit de l'arbre à pain, mais qui est pas très bon. Une figue fraîche grise de Saint-Jean. Des fruits de la passion. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est des safous. Voilà, des safous. Ça, c'est des nefs de Baptiste. Si jamais tu peux ouvrir. Une papaye solo. Une banane rose, tiens. Ça, c'est quoi? Cognon toujours, sauvage. Et Cognon stomatosa. D'accord. Aluminium. Super. Et puis là, c'est des semis qu'on va distribuer. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ah oui, c'est du Solanum vetissimum. Ouais. C'est un genre de loulou. C'est ça? Ok. Voilà. Un avocat du Mazé et un jackfruit.
Je trouve pas ça. Mûrier, récolté dans la nature? Ouais. D'accord. Mais non, chez moi, dans mon terrain. Donc voilà la carambole coupée. Très beau fruit. Et la graine, je pense que je suis passé juste à côté en la coupant. Donc on va déguster et on va donner une note. Moi j'aime bien. Ouais, c'est... Mais une nèfle du jardin de Baptiste. C'est ça. Je ne me trompe pas. J'ai une petite dégustation de la nèfle, très sucrée, doux. Ça pourrait être un peu plus intense, mais on a eu une saison assez humide quand même. Donc là, on a une orange Washington qui est donc vraiment récoltée très tardivement. Orange Washington, donc probablement assez sucrée. L'albédo est jaune. Là, je recueille les premières. C'est bon, hein? Ouais. Très sucré. Il reste une petite pointe d'acidité derrière. On passe avec la Sucrena. Donc, l'albédo est aussi assez jaune. Donc, c'est une orange. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré. C'est très rigolo comme saveur. C'est pas du tout acide. Ça me convient bien. Bon, par contre, je pense que les gens qui aiment bien l'acidité resteront sur leur faim. C'est la première figue grise de Saint-Jean, donc récoltée chez le producteur, ici même. Alors le verdict, ça manque de sucre, mais moi j'aime bien, c'est doux, c'est une semaine de plus de maturité, ça aurait été impeccable, mais bon, pas mal. Mais une autre population qui mange un peu moins. Donc la papaye que je viens de dénoyauter, papaye solo, elle est pas très mûre, donc on risque de tomber sur quelque chose d'un petit peu fade. Alors moi je la trouve pas mauvaise cette papaye solo, elle est assez sucrée, melon, carotte, enfin j'ai entendu pas mal de choses. Donc fruit de passion, là je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de peps. Ah, il est très très bon. Il est bon. Ouais, il est très bon. Donc, fruit de la passion, 18 sur 20. Hein. Ouais, il est... ouais, non, on lui donne une mention. Hein. La banane rose. Donc, ça ressemble beaucoup à la banane classique, peut-être en surmaturité. C'est pas super goûteux, mais moi j'aime bien. C'est assez fin, c'est un peu comme de la. Crème vanille, un peu, ouais, il y a un petit truc riche. Comme ça, c'est plus riche que la banane classique. C'est plus complexe, même, aromatiquement, c'est plus complexe, mais ça reste léger, c'est léger. Pas explosif. Ouais, tout à fait. J'ai vu que ça à Kataïti, ça, et c'est excellent, quoi. Vraiment. Banane plantain. Ils appellent ça le chili. Ok. Ouais. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est amidon. Mais abricoté, moi j'aime bien, c'est pas fade. J'avais moins bon souvenir que ça quand même. Donc banane plantain. Voilà. Alors la banane du commerce, c'est environ 80 kilocalories pour 100 grammes, et la banane plantain, c'est 130. Ah ouais? Prunus tomentosa, le ragoumini, il y en a un petit peu là. Ah, du ragoumini, ouais. J'ai jamais mangé ça. Ah, ça... Est-ce que ça peut servir de porte-greffe magnifique, ce que je disais à Cyril Laron aussi. Et c'est ragouzi. Ragouminier. Prunus tomentosa. C'est collé au tronc. Ouais. La prune moyen. Oui, c'est ça. Un avocat long neck. C'est le Wilson. Les Américains l'appellent le Wilson, je crois aussi. Voilà. La couleur de l'avocat, je ne vous raconte pas. C'est très beau. Le noyau, il va aller directement en terre. Très appétissant. Ah, donc c'est vraiment comme un avocat antillais. Il est crémeux, laiteux. Il n'est pas gras. Pas très gras, mais c'est très original. La maturité, elle est parfaite, en fait. Hein. Ouais, ouais. Ah, je vous ai pas fait goûter le bout qui était peut-être moins mûr. Hein. Non, c'est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, c'est correct. Moi, j'aime bien. Ouais. Les Indonésiens, ils n'ont
Donc là, le durian, il n'est pas ouvert. En revanche, on voit que on peut rapprocher donc deux piquants entre eux, donc c'est un peu élastique. Ouais. Et puis, il sent assez bon. Donc globalement, on va l'ouvrir un peu en mode catastrophe parce qu'il va pas se laisser ouvert, mais c'est voilà. Oh là là. Fantastique. Mais c'est bien parce que ça n'a pas l'air d'être un durian sélectionné. Je pense non. Que c'est un durian un peu sauvage. C'est un peu sauvage, ouais. Ah ouais. Qui doit être très bon. C'est pas du menton, du gagnard, chani. Ah oui, oui, oh ben c'est... Il y a des variétés sélectionnées. Ah, il y en a des quantités industrielles. Plus gros, ouais. Plus gros avec des noyaux non, plus c'est... petits. Donc il y a beaucoup de chair, mais. Au niveau du goût, ils sont pas forcément meilleurs. Hein. Ouais. Bon bah. Donc le durian. C'est l'odeur qui est un peu forte, ouais, c'est sûr. Mais... Délicieux. Bon, je crois que on va se. À Singapour, c'est interdit de.